Donc, je m'appelle Miguel Chevalier, je suis un artiste qui travaille avec les outils numériques depuis le début des années 80. Et ici, on est dans le cadre de l'exposition que j'ai qui s'appelle Digital Abyss, et dans ce lieu étonnant qui est à la base sous-marine de Bordeaux. C'est un lieu qui m'a beaucoup inspiré de par le rapport à l'eau qu'il y a. Et donc il y a un parcours qui permet au départ d'avoir des cabinets de curiosité. Ces cabinets de curiosité sont sur des thématiques liées à l'univers du plancton et ce qu'on appelle les radiolaires. Donc c'est ces micro-organismes, quand on les voit au microscope, ont des formes tout à fait étonnantes. Et donc c'est à partir de ces formes que j'ai commencé à créer dans ces cabinets de curiosité des sculptures en impression 3D, des pièces en résine fluorescente, et tout ça donne déjà un premier aperçu de cette idée de tous ces animaux bioluminescents qui sont dans les profondeurs des océans. Et l'idée, c'est qu'ensuite, dans le cheminement de ce parcours, on va retrouver ces univers à des échelles plus grandes, mais projetées. Alors c'est soit l'origine du monde qui est tout cet univers des cellules qui se développent, soit Pixel Liquide qui est une très grande installation où quand on se déplace en fait on peut interagir avec cet univers donc des courants, des fluides. Il y a une autre installation qui s'appelle Particules Binaires qui elle est très différente, qui n'est pas liée à la lumière mais qui est des 0 et 1, l'univers binaire qu'on retrouve dans le monde de l'informatique et gonflé avec de l'hélium. Enfin, il y a une autre installation qui s'appelle Nouvelle Atlantide, qui est autour de l'imaginaire de ce que pourrait être une ville engloutie. Donc cette œuvre aussi interactive est assez étonnante parce qu'elle est vraiment dans une verticalité. Et donc on sent vraiment que cette pièce a été complètement conçue par rapport à ce lieu. Enfin, il y a la dernière œuvre qui est Digital Abyss, donc qui est constituée de 5 bassins projetés au sol, qui sont un peu comme des bulles d'eau, où on voit l'ensemble de ces micro-organismes avec lesquels on peut bien sûr marcher, et en fonction de son déplacement, en fait, on repousse ses formes. Bon, j'utilise l'univers numérique comme d'autres peuvent utiliser la peinture, la photo ou la vidéo. C'est un mode d'expression, mais je pense que c'est un mode d'expression qui permet aujourd'hui de créer des œuvres génératives. Donc c'est des œuvres qui évoluent, se transforment. C'est-à-dire que si on vient aujourd'hui et qu'on revient demain ou après-demain, on ne verra pas exactement les mêmes éléments. Donc il y a cette idée d'œuvre qui se transforme dans le rapport au temps. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la base sous-marine a cette ouverture vers le numérique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, correspond véritablement à l'art du 21e siècle. Et donc cette ouverture qu'ils ont de développer est encore assez atypique, je dirais, en France. Et j'espère qu'à terme, il y aura d'autres lieux de cette nature. Voilà, donc c'est un peu tous les points importants qu'il faut peut-être mettre en avant par rapport à ce beau projet qui est ici à Bordeaux.